Yo les amis, c'est Boy Joss et j'espère que vous êtes en forme. Et allez, le mec il revient comme ça, comme une fleur, alors que ça fait plus d'un mois qu'il a pas fait de vidéo. Un mois quand même, ah ouais, ah ouais. Bon, j'avoue, ça fait un petit moment, mais j'ai des excuses. La première, on m'a volé ma caméra. La deuxième, je devais installer tout ce merveilleux setup pour pouvoir tourner de chez moi. Du coup, je vous ai tout dit, vous savez tout. On est parti pour ma toute nouvelle vidéo, ma playlist du moment. I can't feel my face, smoking on Gorilla Glow. Zooming in the coat, that's the shit I like to do. Premier son de cette playlist du moment, Damso Ipséité. Mesdames et messieurs, je ne pouvais pas démarrer cette playlist avec un autre son. Son tout nouvel album est prévu pour le mois de juin et pour nous faire patienter, il nous a lâché cette petite bombe, titre éponyme de son album, déjà triple disque de platine. Mesdames et messieurs, Ipséité, extrait. Misogyne qu'elle dise, je parle des femmes sous mélodie, hymne national impossible. Bébé bang dans le vise, tant de haine pour si peu de. Je surkiffe ce son, mais il y a quand même quelques punchlines qui m'ont interpellé. Première punchline. Sur un thème comme Edinson Cavani, ma simple présence vaut une autre mare. Je réalise mes rêves et mes cauchemars. Ma simple présence vaut une autre mare. Voyons voir combien ça coûte. C'est pas mon meilleur profil, mais deuxième punchline. C'est tous ceux en qui nous croyons qui finissent par nous définir. Le mensonge est un soulagement qui finit par nous désunir. Vous avez déjà vécu ce moment où toi et ton pote, vous êtes comme des refrains, vous avez tout fait ensemble. Vous avez été à l'école ensemble, vous avez grandi ensemble, vous avez fricoté avec les mêmes meufs, vos darons se connaissent, l'un dormait chez l'autre. Vous deux, c'est un petit peu comme les deux frères de PNL. Vous deux, c'est un petit peu comme les deux membres de Jaja et Gina. Ça le fait un petit peu moins. Jusqu'à ce que t'apprennes un truc de ouf sur cette personne, mais que tu ne lui dises pas. Pourquoi? Parce que la douleur sera insoutenable et t'as pas envie de le blesser. Sauf que plus tard, cette personne apprend cette chose. Et il apprend par-dessus tout que t'étais au courant. Repense à cette punchline de Damso. Troisième punchline. D'ailleurs, j'ai fait mon premier million. Mais je te jure pas payer les impositions. Je me demande combien ils vont me retirer. Oh, et j'assais pour vivre dans bonnes conditions. Tu vas pas nous la faire, hein. Pour vivre dans bonnes conditions. Deuxième son du moment, et on va parler d'un artiste que je kiffe beaucoup et que j'ai découvert sur un type de son où on l'attend pas forcément. J'ai fait le con enfermé entre quatre murs. 3h du mat, je repense à toi. Et si un jour ça tire, est-ce que tu seras mon armure? Est-ce que t'agiras comme une salta? Mais il est tellement fort, il est tellement complet que bah voilà. Et puis moi, je suis fan de ce type de son un petit peu mielleux, un petit peu lover avec des histoires. J'ai le droit, ok. Je me suis ensuite intéressé à ce que Ninho avait sorti avant et j'ai été agréablement surpris. Notamment en 2014 avec Ils sont pas au courant volume 1, en attendant Ils sont pas au courant. En 2016, Ils sont pas au courant volume 2. En 2016 encore, il a sorti Maintenant ils sont au courant où il a obtenu un disque de platine. En 2017, il a sorti son tout premier album comme prévu, pareil, triple disque de platine. Et en 2018, il a sorti sa toute nouvelle mixtape Maintenant ils sont au courant 2.0, déjà disque d'or. Et c'est notamment de ce dernier projet dont j'ai envie de vous parler parce qu'il y a un son qui m'a interpellé et il s'appelle Un Poco, il y a le clip qui est dispo. Petit extrait. Ta mère c'est ma mère et ta soeur c'est ma soeur. Je veux t'éloigner des galères, moi je te souhaite que du bonheur. On a tout fait ensemble. Donc le premier qui fait le con, on va le réduire ensemble. Pareil, encore une fois, dans ce morceau, il y a une punchline qui m'interpelle. Dites-moi si vous aussi ça. Et mon ref ne me baisse pas. Non, je dis pas que la punchline est mauvaise, loin de là, elle est excellente. Je me dis juste, est-ce que dans la vraie vie, ça se passe vraiment comme ça? Félicitations pour ma part, gros. Merci ma gueule. Sinon, toi quoi de neuf? Ouais, comme d'hab, je suis sorti hier. Ouais. Je croisais ton ex complètement déchiré, laisse tomber. Mais non. Ouais, elle est venue me parler, puis ouais, je l'ai baisé. Troisième et dernière son de ma playlist. Pour ma playlist du moment, je ne pouvais pas passer à côté de l'album de Dino. C'est un petit peu comme Joke, on l'attendait depuis tellement longtemps. Sauf que Joke est toujours pas revenu. Mais Dino nous a pondu un album de dingue. Et d'ailleurs, je me suis arrêté sur le tout premier son, le son qui ouvre l'album, Iceberg Slim. Anakin Skywalker, je fais le bruit de 4 moteurs. Je n'ai que de la glace dans le cœur. Le savoir est dans le holster. Anakin Skywalker. Eh les gars, le son il commence avec une référence à Star Wars. Comment ne pas kiffer? Ah, mais t'as déjà vu un Star Wars toi? Non, mais c'est bon, fallait pas le dire. Plus
plus sérieusement, ce son m'a mis une gifle. Tu sens que durant ces 2 ans, le mec il est parti dans la salle du temps, il a bossé son art et il est revenu avec un projet super sérieux. Si je devais retenir des morceaux de l'album, je dirais Beuh et Liqueur. Bah ouais, dès que tu peux avoir confirmation que Joke est toujours en vie, bah moi je saute dessus. Havana et Malibu, un vrai son d'ambiance, tu t'imagines au soleil, vrai paysage, lunettes de soleil, gros boule à tes côtés, tout ça, tout ça. Helsinki, bien évidemment, ce son il te prend au cœur, il te fait réfléchir et il est magnifiquement bien écrit. Par contre, avant de conclure, je vais revenir sur une punchline d'Iceberg Slim. Je suis un des seuls à être resté clean. Je suis pas d'humeur à sucer des dicks, non homo, y'a pas de youtubeur dans mes clips. Yeah.